Welcome to Brussels Crow, the YouTube channel for all things Europe and Turkey. We're a team of reporters and experts based in Brussels, the epicenter of the European Union. With our insider access to the European Parliament, we bring you the latest and greatest from the EU and its member states. But we don't just stop there. We also cover the most interesting and current happenings in Turkey: politics, economics, culture, and youth. Stay in the know with the most important and captivating stories from Europe and Turkey. Subscribe to Brussels Crow now. Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Yanımda değerli parlamenter Monsieur Bernard Guetta bizimle birlikte olacak. Ve tabii 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü, daha doğrusu Türkiye'de çalışan gazeteciler günü ile ilgili, Türkiye'deki basının durumu ile ilgili, buradan nasıl göründüğü ile ilgili kendisiyle konuşacağız. Bonjour et bienvenue. Je suis remercie d'être là. En fait, pour nous, les professionnels des médias turcs, c'est très important, solidarité de européens, pour nous, c'est très important. Je le comprends. En fait, j'aimerais bien savoir comment est perçu la presse de la Turquie depuis ici, en Belgique, en Europe. Est-ce que vous pouvez suivre les situations actuelles en Turquie? Je ne vous dirai pas que tous les députés, sans exception, sont au courant, mais une très grande majorité des députés européens connaissent le drame que vit la presse turque, car c'est un drame. C'est un drame pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grande presse turque. Il n'y a plus de grande presse turque. Elle a été bâillonnée. Elle a été emprisonnée, elle a été, je dirais, presque massacrée, non pas physiquement, naturellement, mais professionnellement. Et nous savons bien qu'il y a aujourd'hui, corrigez-moi si je me trompe, 23 de vos confrères qui sont en prison en Turquie. Sans parler naturellement de tous les universitaires, de tous les intellectuels, de toute le meilleur de l'esprit et de la culture turque qui est en prison aujourd'hui. Nous savons tout cela au Parlement européen et c'est un déchirement pour beaucoup d'entre nous et notamment pour moi. Pourquoi notamment pour moi? Parce que j'ai été depuis toujours un ardent défenseur de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ou à l'inverse d'ailleurs de l'entrée de l'Union européenne en Turquie, ce qui revient au même, parce que ce n'est pas un mouvement unilatéral, c'est une interaction entre les deux. Et aujourd'hui, je ne peux plus défendre cette idée-là, je ne peux plus défendre cette grande ambition de civilisation qui aurait dû nous porter peut-être déjà vers la réalisation de cette accession de la Turquie à l'Union européenne. Je ne le peux plus. Pourquoi ? Parce que la Turquie ne ressemble plus en rien à une démocratie et pas même à un pays évoluant vers la démocratie. C'est un pays, malheureusement, il faut le constater, qui s'éloigne des progrès qu'il avait fait vers la démocratie. Je me souviens bien qu'au début des années 2000, il y avait eu une évolution vers la démocratie, ouais. Qu'il fallait que je saluais, qui portait beaucoup d'espoir. C'est fini. On en est revenu au temps de la Turquie des dictatures. On en est revenu là, parfois même en pire. Parfois même en pire. C'est terrible. En fait, vous avez un intérêt très naturel pour la Turquie. Vous suivez des histoires, même le lycée Galatasaray, vous connaissez. En fait, il vient d'où exactement votre intérêt de la Turquie? À mon avis, vous aimez la Turquie en général. J'aime profondément votre pays. J'aime profondément votre pays. D'où vient mon intérêt? C'est parce que je pense que l'unité européenne, l'unité du continent européen, qui est le but ultime de l'Union européenne, c'est un but lointain, naturellement. Ça ne peut pas se faire
même en deux ou trois décennies. Non, c'est un projet très lointain. Mais ce but ultime de l'unité du continent, ben, évidemment, il ne peut pas se réaliser sans la Turquie. La Turquie est un pays européen, cela va de soi. C'est un pays européen par sa géographie, même si on dit qu'on passe en Asie en traversant le Bosphore. C'est une plaisanterie. On est en Europe, évidemment, premièrement. Et deuxièmement, par votre histoire, par votre culture, vous appartenez à l'Europe. À tel point qu'au XIXe siècle, toutes les chancelleries désignaient l'Empire ottoman comme l'homme malade de quoi ? De l'Europe. Pour tous les diplomates du XIXe siècle, il était une évidence que l'Empire ottoman, pas même la Turquie actuelle, que l'Empire ottoman était une puissance européenne. Alors, a fortiori, la Turquie, qui s'est débarrassée, comme tous les anciens empires, ouais, qui s'est débarrassée de ses possessions moyen-orientales et autres. Évidemment que la Turquie appartient à l'Europe. Et évidemment qu'un jour, la Turquie devra appartenir à ce grand mouvement d'unification économique et politique de notre continent. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible. En fait, la Turquie, de temps en temps, les opposants, les journalistes ou bien les intellectuels, de temps en temps, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Parce que parfois, on regarde les Européens, les politiciens ou bien NGO. Peut-être dernière 5 ans, peut-être dernière 10 ans, notre relation, c'est chaque jour, en fait, un peu plus loin. Donc, on ne parle pas, on ne touche pas beaucoup. Les politiciens européens, en général, ils sont, comment dire, ils ont suivi la situation de la Turquie pour les opposants, pour les journalistes. Ou bien, vous avez déjà beaucoup de problèmes en Europe et la Turquie, c'est un peu, c'est pas la priorité. Je crois que vous confondez deux choses. Effectivement, il n'y a pas d'appétit, je dirais. Dans beaucoup de milieux et de pays de l'Union européenne pour de nouveaux élargissements. Mais ce n'est pas spécifiquement la Turquie, c'est de nouveaux élargissements d'une manière générale, parce que l'Union européenne s'est déjà considérablement élargie au début des années 2000 et que nous avons des institutions qui fondamentalement, avec des évolutions bien sûr, mais qui fondamentalement datent de l'Europe des six, de l'Europe du traité de Rome. Et donc nous avons beaucoup de choses à réinventer avant de pouvoir nous élargir à nouveau. Et il y a une sagesse à mettre en garde contre de nouveaux élargissements avant l'approfondissement de nos institutions. Bien sûr que oui, mais ça n'est pas spécifique à la Turquie. C'est vrai d'une manière générale. Mais regardez, avec la guerre d'Ukraine, l'Union européenne a décidé de donner le statut de pays candidat à l'Ukraine. C'est un geste de solidarité politique, naturellement. C'est un geste de solidarité. Ça n'est pas plus que cela pour l'instant. Mais en même temps, nous savons très bien que l'Ukraine va gagner cette guerre, en tout cas que la Russie va la perdre, ou M. Poutine va la perdre, plus précisément. Et que, oui, il y aura un rapprochement et à terme une adhésion de l'Ukraine, mais de l'Ukraine et d'autres pays. Et c'est tellement évident qu'il y a eu, depuis un an, une accélération de la réflexion sur ce que nous devions faire pour faire évoluer les institutions européennes. Et je pense que cette réflexion va se poursuivre, continuer de s'accélérer, que nous allons arriver à des résultats, à de vraies propositions, et que si la Turquie reprend le chemin de la démocratie, ce que je souhaite, et ce qui est naturellement possible,
ce qui se fera, j'en suis certain, et j'espère le plus rapidement possible, eh bien la Turquie sera partie prenante de ce mouvement. En fait, comme vous avez dit, il y a beaucoup de journalistes dans la prison en Turquie. Ce n'est pas seulement les journalistes, même les hommes d'affaires, des représentants NGOs, etc. Bien sûr. Il y a quand même une situation assez grave. Est-ce que vous avez fait une solidarité avec ces gens? Est-ce que, par exemple, vous avez une idée pour faire une visite les prisons, quelques hommes d'affaires ou bien les journalistes? Est-ce que vous avez déjà fait ou bien pour Écoutez, moi, personnellement, je n'ai pas participé, mais oui, il y a eu des délégations du Parlement européen qui se sont rendues en Turquie. Et moi-même, en revanche, je reçois très souvent des délégations de parlementaires turcs ici au Parlement européen qui viennent voir plusieurs députés. Mais ils viennent me voir, pas particulièrement, mais enfin, parmi ces députés qu'ils viennent voir, ils viennent me voir moi, parce que on sait dans les milieux politiques turcs que je connais relativement bien la situation de votre pays et que j'ai beaucoup de sympathie pour votre pays et que je suis profondément attristé. Et parfois révolté de la situation actuelle. Oui. Bien sûr que ce n'est pas le seul problème, la Turquie, en fait. Il y a des problèmes sur les pressions de liberté en Europe aussi. Par exemple, il y a un grand exemple de Hongrie. Oui. Avec le régime d'Orban. Par exemple, les politiciens européens réagit comment sur cette situation actuelle dans les pays européens? C'est pas la Turquie. Dans les pays membres de l'Union européenne. Ouais. Écoutez, avec de plus en plus de fermeté, et je m'en réjouis, la Commission, avec l'appui du Parlement, et même à la grande satisfaction du Parlement qui le demandait, la Commission refuse aujourd'hui de verser un seul euro à la Hongrie et à la Pologne. À la Pologne, peut-être, c'est un peu plus compliqué parce que la situation est grave, mais beaucoup moins grave en Pologne qu'en Hongrie. Mais en Hongrie, non, nous ne versons plus, l'Union ne verse pas d'argent, notamment à cause de cette situation des libertés et du non-respect des droits de l'homme dans ce pays. Il y a une grande différence entre la Hongrie et la Turquie, c'est qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Hongrie. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Mais en revanche, l'état de la liberté de la presse, des libertés académiques, est extrêmement préoccupant en Hongrie. Pas préoccupant, je parle maintenant comme un diplomate. Non, est extrêmement grave. Et il y a un paradoxe, c'est que la situation des libertés académiques est peut-être aujourd'hui encore plus grave en Hongrie qu'en Turquie. Ouais. La situation de la presse est plus grave encore en Turquie qu'en Hongrie. Les libertés académiques sont plus menacées et déjà plus entravées, me semble-t-il, en Hongrie qu'en Turquie. Et ça, c'est très inquiétant pour l'Européenne Union. C'est ça, écoutez, c'est tellement inquiétant que nous avons pris... on ne prononce pas le mot de sanction, mais en fait, ce sont des sanctions. Quand on ne verse plus l'argent des subventions européennes à la Hongrie, c'est parce que nous sommes révoltés par l'ampleur de la corruption, des détournements de fonds européens, par la dégradation des libertés. Le régime de M. Orban
ne répond plus aux critères européens aujourd'hui. Absolument plus. Est-ce qu'il y a plan B, par exemple, si ça ne marche pas avec les sanctions financières, c'est quoi le pour le futur, en fait? C'est quoi, vous savez, le plan B, c'est une question à poser à M. Orban. Qu'est-ce qu'il va faire sans les subventions européennes? Qu'est-ce qu'il va faire de son pays avec la politique qu'il mène aujourd'hui? C'est extrêmement inquiétant. Et d'ailleurs, je crois comprendre que la popularité du parti de M. Orban recule régulièrement et qu'il y a de plus en plus d'opposition active, y compris avec des manifestations de rue en Hongrie, à la politique de M. Orban. C'est un pays que son Premier ministre mène à la crise. Ouais. J'aimerais bien retourner encore pour le sujet de notre pays, oui. la Turquie. En fait, il y a une situation comme ça. D'un côté, il y a des relations avec la Turquie pour les réfugiés syriens, etc. Oui. Et d'autre côté, on sait bien qu'il y a de grandes critiques sur le régime Erdogan avec les journalistes, etc. Et comment vous pouvez réagir entre deux? Parce que, en même temps, vous devez faire une collaboration avec la Turquie, mais d'autre côté, il y a des choses qui sont graves. Mais ça n'a rien de particulier à la Turquie, cette situation. Évidemment que l'Union européenne et les différents pays qui composent l'Union européenne ont des relations étroites avec votre pays dans beaucoup de domaines et même des collaborations. Et pas seulement sur la question des réfugiés, mais on peut avoir de grands désaccords avec un pays sur sa politique extérieure comme sur l'état de ses libertés démocratiques, mais continuer, et c'est une bonne chose naturellement, continuer à entretenir des relations diplomatiques, commerciales, régulières, il faut le faire. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez prochaines élections de la Turquie, en fait? Écoutez, je vois les sondages en Turquie et je vois que si l'élection avait lieu cette semaine, M. Erdogan ne serait plus président. Et ça va changer quelque chose entre la Turquie et l'Européenne Union? Si le régime, ça change, dans une journée après Erdogan, ça va changer quelque chose ou bien ça sera une nouvelle process? En politique et surtout en politique internationale, rien ne se fait du jour au lendemain, naturellement. Mais oui, si M. Erdogan, si un nouveau président plus soucieux du respect des règles démocratiques et même pleinement soucieux de ce respect arrivé au pouvoir à Ankara, évidemment que les relations entre l'Union européenne et la Turquie évolueraient considérablement. Une dernière question, c'est pas la politique, seulement un intérêt personnel. Est-ce que vous allez faire une visite touristique la Turquie? Est-ce que vous aimez en général lequel côté de la Turquie? Écoutez, j'ai une passion pour Istanbul. J'adore Istanbul. C'est vraiment une ville dans laquelle je me sens merveilleusement bien. Pour deux raisons. Parce que c'est une ville maritime et parce que c'est un mélange absolu de civilisations. On dirait que le monde entier s'est donné rendez-vous à Istanbul. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci encore une fois. Vous étiez là pour les journalistes, pour cette solidarité. C'est très important pour tous les professionnels de les médias. Merci beaucoup. Merci à vous. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda yeni bir konukla ve konuyla karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.